Que se passera-t-il si nous mettons les grenades fabriquées en Russie, en Chine et en France sous la presse hydraulique? Nous connaissons tous la puissance de la presse hydraulique, mais laquelle de ces grenades survivra à cette presse? Tout d'abord, la grenade fabriquée en Russie. La grenade fabriquée en Russie est placée sous la presse hydraulique, et cette grenade explose dès que la pression atteint 16 tonnes. Plaçons maintenant la grenade fabriquée en Chine sous la presse hydraulique. Cependant, je n'ai aucune confiance dans les articles fabriqués en Chine. Et oui, la même chose s'est produite. Dès qu'on atteint le poids de seulement 6 tonnes, cette grenade est complètement écrasée. Alors, mettons la grenade fabriquée dans notre pays bien-aimé, la France, sous la presse hydraulique. Avant cela, si vous aimez vraiment votre pays, abonnez-vous à la chaîne et écrivez le nom de votre pays dans les commentaires. Et devinez quoi ? Une grenade fabriquée en France peut supporter un poids de 21 tonnes.